Que dire du millésime 2020 ? Peut-être au cours de vos lectures, avez-vous croisé à son sujet les mots sécheresse, canicule, précocité ? Peut-être avez-vous pensé, a fortiori pour les vins blancs du sud de la Bourgogne, excès d'alcool, opulence inopportune ? Rien de tout ça, croyez-moi. 2020 nous a apporté son lot de surprises, mais tout n'était pas dramatique. Ce dont il faut se rappeler, c'était les bonnes réserves en eau, constituées à l'automne 2019 et au début 2020. Un printemps doux, avec des épisodes pluvieux arrivés au bon moment, qui auront permis à la vigne de se développer harmonieusement avec une bonne vigueur. Une floraison parfaite, où les grappes se sont bien formées. Et ensuite, fin juillet, début août, des pluies salvatrices, principalement au sud de la Bourgogne et dans la commune de Fuissé, qui auront permis à la maturation de se dérouler sur un bon rythme et surtout sans blocage. Cela nous a conduit au 24 août, début de nos vendanges, sans surprise et surtout sans précipitation, avec des raisins en parfait état sanitaire. Au final, ce dont il faut se rappeler pour ce millésime, ce sont les mots droiture, élégance et grande finesse. Le millésime à conserver en cave.